sont des terroristes, ont pris le pouvoir. Et on voit une arrivée massive des Afghans au niveau de l'Europe. On voit même des avions qui sont affrétés dans le but de pouvoir faire venir ces Afghans. La seule chose, on les palpe et on leur donne automatiquement le statut de réfugiés. Demain, ces Afghans qui sont entrés seront en contact avec les talibans, représenteront les talibans en Europe, feront des attentats. Demain, c'est pour demander au président français ou bien africain de venir pleurer les morts au niveau de la France. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui est bizarre. On a des Africains qui sont en Libye, vendus comme des esclaves, maltraités comme des chiens, qui viennent en France dans le seul but de dire « on veut travailler ». Ils ne sont aucune menace pour la sécurité de la France. Leur économie, leur monnaie, qui est le CFA, est fabriquée et détenue par la France. La France ne met pas un bateau ni d'avion pour aider ces Africains, qu'ils apportent quelque chose, dont les nations apportent quelque chose à l'économie de la France. Les aident pas à rentrer en France. Il y a des guerres dans nos pays. Il y a des guerres en Afrique. On n'a jamais vu la France amener un avion ou un bateau pour permettre aux personnes qui souffrent de venir en Europe dans le but de travailler. Mais aller prendre des futurs terroristes en VIP, en mettant l'armée à leur disposition, qu'ils arrivent en France, qui ont automatiquement les papiers et les statuts, je trouve que c'est une insulte à l'Afrique. Je trouve que c'est méchant. Je trouve que c'est même une insulte à l'intelligence. On a des milliers d'Africains qui meurent dans l'eau. Parce qu'ils fuient la famine, ils fuient la guerre, ils fuient l'insécurité, ils fuient la misère. Mais la France n'est pas prête à aider ces jeunes à rentrer dans leur pays, à avoir des travaux de vigile, laveur d'auto, laveur de WC. Non. Mais on met tout en œuvre, tout un financement à la disposition de l'Afghanistan qui ne rapporte rien sur le plan économique à la situation bien à l'économie française. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Soit on a des personnes qui ont une intelligence précaire, soit on a des personnes qui sont des racistes notoires vis-à-vis de la race noire.